Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Today we come to the top of this cathedral to witness the return of our historic cross, as it is placed back into position after a two-year absence, signaling the last stage of a long restoration project. Nous rendons grâce à Dieu pour les équipes qui ont travaillé et continuerons à travailler sur ce projet, pour nos architectes, pour nos entrepreneurs et tous ceux qui, jour après jour, montent dans le ciel pour mener à bien ce projet. Nous prions également en remerciement pour tous ceux qui nous ont soutenu ce projet par des subventions et des dons, petits ou grands. And we pray for this city of Montreal, in which this cathedral has stood proud for 165 years, witnessing to God, to the city's history, and serving its people. So now let us bless this cross as it comes back into its position. Dieu Tout-Puissant et Éternel, bénis cette croix que nous élevons en ton nom au sommet de la flèche de ta cathédrale. Puisse-t-elle être un symbole de ta présence constante ici, au centre-ville, et qu'elle brille de ta lumière, bannissant les puissances des ténèbres et du mal. May it be for all who see it a sign of hope, joy, and peace, and a reminder of your eternal forgiveness and unconditional love for all humanity, won through the death and resurrection of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen.